somme, pépasi. Vous enlevez quelqu'un et vous allez le tuer en pleine journée. Pour la macambo ya mbongo, macambo ya bandao. Et ça les sonni na mawa. Comment on a que une personnalité comme Okende est tuée dans l'histoire, dans on raconte des histoires, il y a Bandako, il y a des histoires, il y a Mongo, et pour ça on va tuer une personnalité de ce niveau-là, de cette manière-là. Bête Moutouma Sassima, Makile Jacquila, quand il y a un panzan dans la pare-brise, il y a un panzan dans la kitty partout. Bout de mon côté, Natalatala, même vitre à Pébéninae, même la kitty au Yafandi. Celle makino ezali oyezo tangana nzoto nae ekiti donc babomi mutu babeti yango après babomi e pa mususu d'abord so tani pantalon ya chéri beza na mabele donc nous sommes en 2023, on n'est plus en 60, on n'est plus en 65 ou 70 de Mobutu. Nous sommes en 2023, le droit de l'homme, le droit de la personne humaine doit primer, le respect des êtres humains ça doit primer, même les animaux. Bolobi balle arme to prouvé arme ya crime boyebi ndenge nini ke balle oye bomi eza oye bino botrouva ki wana omoni facilité boye weki kaka boye nulle part au monde damona enquête ya mbabu ndenge wana bozo confirmer laboratoire nini ke dai ko analyser balle oye alagi na nzoto naye. C'est très regrettable que Félix Tshilombo mwana ya Tshisekedi Etienne ndeko na biso to kunda na ye contre Mobutu pona makambo oyo. La conférence nationale souveraine, on avait parlé des assassinats politiques. Tata Naye Tshilombo. Je sais que Dieu Etienne était élu premier ministre de la conférence nationale, mais on parlait de bien mal acquis et des assassinats politiques. Les lots. Quand on va proche d'ailleurs, on va commis ce qu'on a empêché à se mouvoir. Quand on a dit qu'il y a non. Plus nous sommes victimes, le peuple a dit qui est qui a fait quoi. La minute où il y a une situation. Ce n'est pas ce qui va gagner Katoumi, tout va bomber l'entourage à Katoumi. Les bilans ont échangé, les peuples ont fait confiance. Non. Nous avons fait ça dans le côté de Yangouan. Nous avons mis tout ça, côté de la conteneur. Nous avons mis tout ça, côté de la conteneur. Maintenant, nous allons vivre dans le Yangouan. Non seulement nous avons fait ça dans la banque centrale, mais nous avons fait ça dans le côté de la chair, mais nous avons volé. Quatre ministres de Tshilombo. Ils ont sévécu constamment. Ils ont nommé dans l'état de siège, qui est gouverneur là-bas, depuis bientôt plus de deux ans maintenant. Mais Ndima, est-ce que vous voyez l'histoire? L'air basé qui n'a l'ombre à Roger, na Isiro, pendant l'occupation du Congo, l'air ba Bemba, ba Lumbala, ba Mende, tout ça, ba porta qui ba arme là, tous les Rwandais, ba Ougandais contre le Congo. Mais na Isiro. Le loi est gouverneur de Nord. Vous avez voulu qu'il aille se repentir là-bas. Mais mon douane, je crois qu'il y a une réponse à Yangoan. Bande Kobabini, Bazako 5 départ à MONUSCO. Ça fait bientôt 25 ans que MONUSCO est en Mboka Nabiso. Résultat est en dernier. Même les Nations Unies doivent avoir honte. Interpol maintenant est à Kinshasa. Mais l'air Bazako est à Bouton. Bah, comment on place Moutou Kenzali, c'est comme ça que Kazadi, votre ministre de l'Intérieur, ouais, a tapé Moutouana. Moutouana n'a pas cité son nom. Mais Interpol, l'air, bah, ça, qu'on met à pas, à Kéiti, Nanda, qu'on a eu place à Zakoumba Moutou. Le massacre là, le génocide qui vient d'avoir lieu au nord Kivu, on doit mettre ça au compte de Félix Tshisekedi qui a nommé ces gens, qui entretient cette MONUSCO là-bas. Comment chasser les forces de l'EAC de notre pays, forces Nabangouana, Ouéchilombayenangouan. Il a signé des choses qui travaillent contre la sécurité de notre pays, de notre territoire et de notre peuple. Il nous a amené des forces, des ennemis sur notre terre, officiellement, qu'il faut qu'on charge ma force Ouana. Ce qui vont bloquer un point, c'est qu'on y va tous les jours, à tous les niveaux. Congo et Kozanambou est belé. L'exemple de Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas mangé, mais il avait fait tourner le pays pendant 3 ans. Il n'a pas laissé une tête ou une mendicité quelque part. Vous avez fait ma Konami en 2006, 2011, 2018. Vous avez trouvé quelle solution? Nous avons besoin des patriotes. On n'a pas besoin des élections, maman. On a besoin des patriotes dignes qui peuvent élever nos pays et qui peuvent nous sécuriser. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir.
Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Na pesibino mbote bandeko balandi ya Réaco News Télévision. Bienvenue na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo assassinat ya Chérubin Okende selon rapport ya Aner Oyo ezalaki cité na Jeune Afrique, l'opposant était bel et bien sur le parking de la Cour constitutionnelle. Bah, révélé, mambi ma matali véhicule ya couleur ya pembe et yezala kiwana, yezali info o na tangi, na info plus RDC, mokolo lelo toko sombiti nya makanisi pote, to solo la. Na mambi maye matali ekolo ya biso. Monsieur Muyaya Katembwe a lobeli likambo eye e salemaki epai ya bay oyo ya wazalendo oyo e deputaki uto na heure ya 4h e debutaki makambo mana. Même ba policier bazala ki lapide vers 7h acte oyo a lobite azali topé ko condamné yango pona mambi mai matali yango ya pasi ezali 50 civils oyo ba zala ki vraiment na pasi mingi oyo totanga ki wana ba lobite ba policier wana e faux bazali ba inhumain kotala makambo esalemaki mambi mai matali na Goma somo pepasi bandeko balandi ba image wana soki te balobi batia yango ezali eloko oyo ekosala somo kaka na mambi mai matali massacre ya Goma manifestation wana babomi un policier oyo akende ki pona ko investir base ya MONUSCO oyo akende ki pote abanda ko chasse le blanc selon article o natangi ya lobite ye azalaki attaqué pai na ba ONG pe ba force oyo ya EAC ba policiers n'ont pas pu contenir le feu. C'est ainsi que l'armée est intervenue voyant que quelque chose pouvait se cacher derrière. Le gouverneur militaire Oyo a justifié intervention ya armée Oyo et sali 43 morts parmi les civils. Oyo ba Bwaki Mbela Lina. Lelo toko yamba pona bino professeur Julien Tchakoudia bobenga kingai ça fait longtemps toko zoyete pote to solo la bino mai pe bomoni makambo mai masalemi na ngambo ya Gabon toko lobela yango pe na mwa mokuse na emission na biso mokolo mwa lelo bandeko balandi ya Réaco News Télévision toko luka kozwa invité na biso ya lelo professeur Julien Tchakoudia. Professeur Julien Tchakoudia, mbote na yo. Mbote mama, mbote mama. Tatiana, mbote bana ya Congo, mbote studio. Esengo ezali epai na biso ko yamba yo mokolo ya lelo kasi mingi tokolinga to banda nanu na actualité eye toyoki te ba révélation ebimi sur la mort ya Chérubin Okende. Point de vue na yo ezali nini sur son assassinat? Mama, moto lokola Chérubin Okende, c'est une grande perte pour la nation. Kobumaye na ndenge wana, comme un animal, même les animaux, on ne les tue pas comme ça aujourd'hui. Donc, Kozoamoto qui est député, un grand intellectuel de sa calibre là, même si vous avez quoi que ce soit comme problème avec lui, mais ça c'est un geste que nous condamnons fermement. On doit, la dignité de l'être humain, ça doit toujours primer dans tout ce que nous faisons. Et ça, ça arrive du temps de Tshisekedi, le fils, si le beau-fils de Tshisekedi Étienne. C'est très regrettable que Félix Tshilombo, moi, na ya Tshisekedi Étienne, de Konabiso, to bunda na ye contre Mobutu pour la Makambo Oyo.
à la conférence nationale souveraine, on avait parlé des assassinats politiques. Tata Naye Chilombo. Tshisekedi Étienne était élu premier ministre de la conférence nationale, mais on parlait des biens mal acquis et des assassinats politiques. Et ça qui bitumbaya, ma congrès nous sont à travers l'UDPS qui est réformé Mboka. Tout ça la makambo, Mobutu Azaki Kosanate, na baninga na ye contre le peuple congolais. Lelo. Et ça soni na mawa. Comment on a que une personnalité comme Okende est tuée dans des histoires, dans, on nous raconte des histoires, il y a Bandako, il y a des histoires, il y a Mbongo, et pour ça on va tuer une personnalité de ce niveau-là, de cette manière-là, bestiale. En République démocratique du Congo, non, nous disons non. Voilà pourquoi j'en appelle aux Congolais. Pour ça, le coup là-bas, mouton. Cet homme-là a une femme, il a des enfants. Il a étudié. Il a consacré son temps à la connaissance scientifique. Parce que vous voyez le coup là. Et puis, il n'a pas congolais pour vendre comme ça parce que Chilombo est président. Peuple congolais, Bobima. Il faut protester. Parce que Chilombo est sorti de cadre que nous avons tracé avec son père. Avec les 13 parlementaires, avec le peuple congolais. Cadre Oyo. Tobouya Kamobutu. Peuple à Télémena Kamobutu. Mobutu à Kimaka, Kendekoufa na Maroc. Alors moi je demande au peuple congolais, ce que vous avez vu là, prenez-moi Chilombo. Qui est Chilombo? Prenez-moi Chilombo. Mettez-vous debout. Chassez-le. Nous sommes en 2023. On n'est plus en 60. On n'est plus en 65 ou 70 de Mobutu. Nous sommes en 2023. Le droit de l'homme, le droit de la personne humaine doit primer. Le respect des êtres humains, ça doit primer. Même les animaux. Pour nous tuer, nous ne pouvons pas pardonner ça. D'emblée, j'ai dit que, au vu de ces rapports-là que j'ai lu hier, si c'est vrai que ça sort de son milieu, peuple congolais, Bobima. Professeur, c'est clair. Professeur Julien Tshakudi a tolobé la paix massacre et outil ko salima na Goma gouvernement et zali ko funda ba manifestation bango ba menaki ba action oyo et porta ki atteinte na ordre public oyo et causé liwa pe likambo ya lapidation ya un élément ya pulusu oyo et salipe makambo maike nangambo ya Goma. Pensez-vous que ezali acte moko responsable na part ya gouvernement ou ya biso peuple a eko manifesté azali maboko pamba bino boya bozongi sabango na ba arme oyo pe bandeko bakufi baike lelo yo tolobanini. Oui maman, c'est toujours dans le même ordre d'idées, il y a problème dans le chérubin auquel. Ok? Vous enlevez quelqu'un et vous allez le tuer en pleine journée. Pour ma cambo, il y a Mbongo, ma cambo, il y a Bandako. Vous trouvez le bazar Benga, général Ndima, Constant Ndima, ou Azakuna, ou Chilombo a nommé dans l'état de siège, qui est gouverneur là-bas, depuis bientôt plus de 2 ans maintenant. Mais Ndima, est-ce que vous voyez l'histoire? L'air basé à Lumba, la Roger, na Isiro, pendant l'occupation du Congo, l'air ba Bemba, ba Lumba, ba Mende, tout ça, ba porta qui ba arme, na ba tout sur Rwanda, na ba Ougandé, contre le Congo. Mais na Isiro, soldat, Oyo, Azala, qui chef, ya Mampinga, ya Lumba, na Roger, qui est en prison, en France, pour les crimes commis au Congo. Ndima était complice dans une journée ou 2 journées, plus de 400 Congolais balali. Le loi a gouverné Yanordi. Vous avez voulu qu'il aille se repentir là-bas. Au lieu de le mettre en prison, on a nommé gouverneur militaire là-bas. Et on a nommé encore un autre vers Kisangani là-bas. Ok? Vers le Ozaï, un autre vers l'Ouganda là-bas.
notre gouverneur. Tout le monde qui a pris les armes contre le Congo, Bambemba, Bandima, Roger Lumbala, tous ces gens-là, les Lambert Mende, ne devraient pas aujourd'hui figurer dans notre politique du Congo. Ils devraient être en prison. Mais Moutouana, c'est quoi une réponse, Yangoan? Bandeko Babini, Bazako Senga départ, ya MONUSCO. Ça fait bientôt 25 ans que MONUSCO est en Mboka Nabiso. Résultat est en dernier. Même les Nations Unies doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte d'avoir une grande institution comme ça de plus de 20 000 hommes qui ne fait rien du tout au Congo, qui amplifie l'insécurité. Parce que pour Mabato, la mission n'a pas encore. Parce que là, les Nations Unies, ils sont sans morale. Ils ont recruté l'Asie. Parce qu'on a des années. Vous savez, qu'on joue à minerai en Bokanabiso. Maintenant, ces gens-là, quand ils voient que maintenant leurs intérêts sont en jeu, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent notre population. Et nous sommes là. Et qui a nommé ces gens-là? Qui entretient ces gens-là aujourd'hui? C'est Félix Tshisekedi. Les massacres-là, le génocide qui vient d'avoir lieu au nord Kivu, on doit mettre ça au compte de Félix Tshisekedi qui a nommé ces gens, qui entretient cette MONUSCO là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit que, à l'instar, il y a ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, là, Mali, Burkina Faso, Niger, et hier au Gabon, j'ai encore point d'interrogation. Mais à l'instar, il y a Mbaboka Misato, non, tout changer ma cambo. Vous avez entendu BRICS, la réunion de BRICS en Afrique du Sud. Le monde est en train de changer. On n'a plus besoin des hommes comme Tshilombo pour diriger le Congo. Peuple congolais, totalement. Bande qu'on a vu sur Congo Mobimba, totalement. Dans une journée, le peuple congolais est capable de faire ce travail-là. On ne peut pas tuer notre peuple comme des moutons comme ça, tous les jours. Tous les jours, Basalini, les hommes à Bélé, Nabango. Ce qu'il faut, Babou Mabango, Ndima, Nakagame, Bakoti, Sabatou, sur Rwanda, Bayako Vanda, Mabélé, Wana. Donc, c'est l'opération effacer les tableaux. Bazako Bouma, Bazako effacer, Bazako Bouma, Bazako effacer, Bazako préparer terrain pour Batouche, Bayako envahir le Congo. Ils sont dans leur logique, il y a occupation, il y a balkanisation, il y a Congo, il y a génocide du Congo, il y a viol, il y a Bassi. Même les vieilles mamans de 80 ans, de 80 années, Bazali qui ont violé Bango. Donc nous devons arrêter ces choses. Et pour arrêter ça, il faut que le peuple atteigne les mains. Il n'y a personne, il n'y a pas un Dieu quelque part qui viendra faire pour vous. Vous-même là, Dieu vous a donné la liberté pour agir. Il vous a donné le sol et le sous-sol qui est riche. On va toujours vous tuer comme ça. Mettez-vous debout, tous les Congolais ensemble. Congo Mobimba. Kinshasa, donnez le temps. Kinshasa, vous êtes en Zala. Vous êtes en souffrir. Professeur Julien Tshakudia, parmi makambo koloba mambi mai matali ba soldat na landa ki pe moko ya bayi opposant o ya biso Moïse Monidela alobite ako souhaité jamais ke makambo ana ya ba coup d'état et salime pa ya biso pote e bebisa kamboka. Eza malamu. Il est en retard. Moïse Monidela, ce sont des jeunes que j'ai entretenus à Brazzaville quand j'étais en exil. Naïebiye, c'est un grand militant. Et il a sa position, mais il ne comprend pas l'enjeu du monde aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est l'occupation du Congo. Quand on occupe un pays qui a des ressources comme le Congo, on ne vous laisse pas tranquille. Nous ne sommes pas des animaux. Nous devons nous rebeller. Vous voyez bien, Angers, ils en a Burkina Faso. Angers, ils en a Niger, ils en a uranium. C'est une guerre des ressources. Si nous ne faisons pas ce que je vous demande là, nous allons le regretter. Ils vont nous exterminer. Moninde là ne connaît pas l'enjeu du monde. États-Unis, voilà. Vous avez comment abattre, bah vendre aux États américains. Ce sont pas des Américains, ce sont les Amérindiens, les propriétaires des États-Unis. Bazawad, bah Bouma, bah Nyos, c'était des millions là-bas. Donc Bouma, ils sont Nyos. Si vous jouez ce jeu-là, hein? Moi je parle, vous m'amenez Moïse Monindel. Non, c'est Tshakudia qui parle. J'ai la connaissance du monde. C'est Tshakudia qui parle. Les États-Unis là, ça doit être votre exemple. C'était des citoyens comme vous.
les gens qui sont en train de faire tout ce qui nous arrive là, où ils vont entretenir ma force d'occupation sur notre pays, et demandez-vous, Kagame c'est qui? Kagame c'est qui? Pourquoi il a des armes et il a des militaires partout en Afrique? Pourquoi il fait ce qu'il fait au Congo, lui et Museveni, pendant plus de 25 ans sur notre territoire? Vous croyez qu'ils sont seuls? Il y a des voyous, il y a des Mindele ici, des néo-esclavagistes, des néo-colonialistes. Ils veulent nos ressources. Alors ils utilisent des voyous pour qu'ils nous gèrent maintenant. Ça va dans les logiques des racistes blancs. Ils ne peuvent pas se permettre ce que nous sommes en train d'accepter chez nous. Alors nous devons nous réveiller. On doit changer les choses. C'est pourquoi vous voyez, les jeunes gens de l'Afrique de l'Ouest se sont mis debout. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger et tout ça. Ils se sont mis debout parce qu'ils ont compris l'enjeu. Vous devez comprendre où est-ce que le monde ici de blanc, ce blanc raciste ici, les néocolonialistes, où est-ce qu'ils sont en train de nous amener? Ils nous amènent à l'extermination. Nous sommes sous l'abattoir Yabango. Mais aussi la question, Zala, qui peut appuyer par professeur Julien Tchakoudia. Personne ne viendra le faire pour nous. Pourquoi gouvernement... Quand je parle ici, ils m'écoutent, ils connaissent leur projet. Et je vis avec eux chez eux. Mais aussi, je vis avec eux chez eux. Vous pouvez vous imaginer, maman Tatiana. Oui, professeur Julien Tchakoudia, Tomoni, 48 heures après, Makambo et Salemi, Nago Makuna, gouvernement Nabiso Badzai Kolobate, Tomoni qui intervention, il y a Martin Fayulu, Katumbi, opposant plus. Mais Tomona qui maloba penzate oyo et bimaki n'a pas ya gouvernement Nabiso Baye Koloba juste après. Ponani likambo ya bongo soki esalemi po tetoyo kabango esalema kaka après tantôt tozelo papa le gouvernement pas de gouvernement. Ce sont des irresponsables bati bango wana pour une cause pour la commenter biso pour la commenter biso. Aujourd'hui là Félix Tshisekedi est plus riche que le Congo là depuis 3-4 ans ici, il est plus riche que le Congo. Félix Tshisekedi là avec sa femme, ils sont plus riches que le Congo. Et tout le peuple est dans la misère. Et quand on tue les gens, lui, il est dans des fêtes, il danse, il est dans des mariages. Donc, pendant qu'il vivait en Belgique, nous ne l'avons jamais vu dans des mariages comme ça. Mais depuis qu'il est arrivé au Congo, ils ont trouvé beaucoup de mariages là-bas. La famille s'est agrandie. Donc, tous les jours, ils sont dans des fêtes. Pendant ce temps, notre peuple est en train d'être tué. Vous ne comprenez pas ce comportement-là? Ce comportement d'un chef de l'État qui ne pleure pas ses populations, qui n'a pas de sympathie. Il est dans la jouissance avec les caméras et tout ça, ils sont en train de jouir. Et vous voyez Kamere qui s'embrasse avec sa femme là, sa belle femme qu'il a trouvée. Alors maintenant ils s'embrassent là-bas, ils sont en train de danser, ils montrent leurs habits. Et pendant que ce temps-là, le pays est en train de mourir. Notre armée n'est pas payée, nos policiers ne sont pas payés. Bah, nous n'avons pas de Koufa. Parce que les Libanda, ils n'ont même pas de logement. Bakuna na Est, Batoubasako Koufa, Dobasako Boumabato. Et ils ne sont pas là. Quand ils sortent, c'est pour vous mentir, pour vous manipuler. Mais vous avez peuple Belgique. Alors Baka. Vous avez peuple Yandengeni. Vous avez et puis vous allez au travail pour lui. Professeur Julien Tchakoudia. Tokatisana noupe nangambo ya Rwanda parce que tomoni ba officier ba ike supérieur ya armée oyo toyebaka bango baza ba puissant soki to bito tanga moko lokola général James Kabarebe oyo ba ti bango nyonso na retraite oezali décision ya Paul Kagame lelo to ko bate Kagame ya kubanga toboni mama Kagame c'était un agent. Kagame, que vous voyez là, c'est un agent des forces obscures. Lui et Museveni, ils jouent pour des gens qui se cachent derrière eux, qui les arment, qui les financent et qui les envoient aller voler au Congo. James Kabarebe, vous le connaissez, il était notre chef d'état-major au Congo, il avait dit qu'il était congolais. James Kabarebe, aujourd'hui, il a une soixantaine d'années, j'ai l'impression, peut-être une cinquantaine. Vous croyez que quand on vous dit que maintenant on l'a mis à côté, c'est que Moussa Naye est ici. Moussa Naye est causé à la Siko, il va s'occuper d'un mercenaire. Il va créer aussi ses Wagner. Il va créer ses Wagner à lui. Moussa Naye, il y a des gens qui ont dit, et ça, Moussa Naye a coupé ma bateau.
groupe la bango mobimba nyonso na bagagame donc bazwi mususu équipe mususu ba mu ba la kisibino ke wende équipe eza ko sala sikoyi oui équipe comme équipe ya mulili ba ko continue oui baza ko sala biso na pire que ça encore pire que ça qui vous a dit que quand que James Kamare va aller en retraite non il change de fonction ba nyonso na ba changer ba fonction ils sont pas en retraite. Je sais que le Wagner fait là-bas en Afrique. Il y a des militaires, des armes, des bombes, des financiers, des mercenaires. Ils vont se multiplier. Ils vont changer de casquette. Ça fait partie de Oubwenge. C'est ça la politique qui dirige Kagame Museveni, le Oubwenge. Mentir et manipuler. Mentir et manipuler. Et nous, les Congolais, nous sommes naïfs. On s'occupe de ça. Non. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est comment chasser Kagame de là. Comment prendre, arrêter Kagame. Comment arrêter Museveni. Comment chasser les forces de l'EAC de notre pays. Force Nabangouana, Oejil Nguyen-Nguyen. Il a signé des choses qui travaillent contre la sécurité de notre pays, de notre territoire et de notre peuple. Il nous a amené des forces, des ennemis sur notre terre, officiellement. Il faut qu'on chasse ma force Wana. Qu'on chasse ma force Wana. Annuler tous ces traités-là. Annuler tout dans la journée. Annuler la constitution. Fermer le parlement. Donc le Sénat et la chambre de représentants. Fermer ces histoires-là. Et ce soir, la constitution. Mettre un autre ordre dans le pays. C'est ça qu'il faut que le Congolais, les patriotes congolais se mettent debout. Et nous n'avons pas besoin de le faire demain. On le fait maintenant. Parce que chaque jour qui passe, c'est un danger pour notre survie. Merci. C'est un combat de notre existence. Merci. Ces gens veulent nous exterminer. Ils changent de forme. Alors, ce n'est pas que, oh, Bati Badiem, c'est comme. Non, ça ne nous occupe pas, nous. Donc, il dit que Bati Nyonsoua, Nana Bakaga, Nana Badiem, Bango Group, Nana Bakaga, ce sont nos ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? Pourquoi nous avons les armées? Pourquoi nous avons les services d'intelligence? Pourquoi contre notre pays? Ils ont neutralisé notre armée et notre police et nos services d'intelligence. Donc il faut l'arrêter d'abord lui, la conjoncture. Maintenant, nous allons réformer notre armée, maintenant pour attaquer Kagame et attaquer Museveni. Pourquoi on a les armées? C'est pour notre sécurité et la sécurité de notre territoire. Pour protéger nos ressources. Mais nos ressources partent tous les jours ici au Rwanda et en Ouganda. Tous les jours ici, et au Kenya, et en Tanzanie. C'est volé. On vole ça. Ça nous rapporte rien pour mettre de l'ordre dans le pays. Lelo otoko loba awa professeur Julien Tchakoudia y a une vidéo et tambola kilobi wapiepa indeko moko Patrick Sahel a dénoncé ki mambi me matali mituka moko e bunga ki na mikili ya bapaya kuna ezalaki retrouvé awa epa ya biso barange vert et puis a kutana ki na libaku ba beta ki epa ya ba garde ya vepem Kazadi, la question Ezali Akoyeba pote okipe lisusu te na patrouille financière ya IGF ake lisusu ko intercepté pe ko bloqué na frontière ya Lufu 14 véhicules Toyota Ezala ki importé pona likambo maimatali je ya francophonie oyo ewuti kokoma balobi te mituka wana ekozala escorté awa na ngumba Kinshasa pote etiama na disposition oyo ya gouvernement motuna mosusu ezali professeur Julien Tchakoudia pona nini kokukate kotia ba soldat oyo ya biso ba pulusu na ba condition ya malamu pona ko éviter ba tracasserie po toko mona kakawa likambo ya ba vol bakangaki boye basalaki boye mais mosolo wana nyonso bakoki pe ko utiliser ango na faveur pe ya kuti ango na armée na biso mabe ezali wapi. Vous posez deux questions, mais je commence par la première. OK. Ce sont des questions importantes, maman. Depuis que Chilombo, même avant qu'il ne vienne, je vous avais dit que Bakoya, bon, c'est que j'ai comme maman, Bafakwa, Bachekouler, Bangualiba, Oya Poto. Le dossier que vous parlez de véhicules, là, les Range Rover, ce sont des véhicules fabriqués ici en Angleterre. Là, le gouvernement, le MI5, le MI6, donc les services d'intelligence britanniques sont là-dessus avec l'Interpol.
ami tuka wana ya Range Rover wana mutuka moko coûte 150 000, 250 000, 350 000 pounds. Je ne dis pas dollars, je dis pounds. Wana za valeur à combien? Mutuka moko. Bon, il faut multiplier par 1.3. Si c'est 150, il faut multiplier par 1.3. Si c'est 250 000 par 1.3. Maintenant, vous avez la valeur en dollars. Alors, Mitukawana s'est créé ici. C'est fabriqué en Angleterre ici. Mitukawana, ils ont la satellite là-dedans. Place Nyon Sezali, attend à Maï. Comment est-ce qu'on va partir de l'Angleterre ici? Mais bango wana bato wana baza kuyiba ba Congolais wana baza ba spécialiste mais ata ba débloquer pour la conduire yango le satellite wana ça reste parce que c'est très sophistiqué les amis tout kay trop cher. Alors na wana ki bata quelque part dans un parking plus de 25 comme ça les Range Rover ya ba britannique. Alors ba britannique c'est quoi ba télémédi ba propriétaire ça lui va plainte dans la police et puis et le service d'intelligence se sont saisis donc MI5 et MI6 puisqu'on va contacter Interpol maintenant est à Kinshasa mais l'air basa côté bouton bah comment on place Moutou Kenzali c'est comme ça que Kaza a dit votre ministre de l'intérieur ouais a tapé Moutouana n'a pas cité son nom mais Interpol l'air basa côté tapant à Kéiti Nanda qu'on a eu place à Zakoumba Moutou. Autres armes militaires, il y a VPM. Non, Interpol, Bakoti, Moutouka Yangoy. Quatre ministres, Yachilongo, ils ont ces véhicules. Et jusque, Bazabaninga, Bayebani. Parce que le Kouana, tout le temps. Bayebani, nous sommes là, on va faire ça dans la photo Yangoan. Kouyiba Mitouka, Koutindika, dans le conteneur. Maintenant, on va aller vivre à Bangoan. Non seulement, on va faire ça la banque centrale. Mais Balingi Batambura n'a pas mis tout ya cher, mais mettre volé en tant que présidence, en tant que gouvernement, en tant que ministre, Yamboka. Mais il faut pas démissionner. Un gouvernement responsable, des gens qui sont sérieux, mais ils démissionnent, ils ne vont pas aller taper des journalistes sur la rue. Yosa Mouyi, Yosa Kendo taper des journalistes qui vous dénoncent. Il vous a même pas cité. Yo, hier, Moko, il s'est senti maintenant gêné. Parce qu'il connaît son problème. Oui, aux gens qui ont des francophonies. J'ai des francophonies à Kinshasa. Bah, on va tindre qui m'y touka, na est du Congo. Vous allez comprendre, bah, on a dit. Bah, fa quoi? Bah, ça va, miyibi, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise dans quelle langue? Ce sont des miyibi, bah, fa quoi? Mais ça, là, bah, on va acheter. Mais c'est quoi pour passer par mon banque centrale? Là, bah, ta mère, banque centrale. Mais bah, comme ça, on a dit. Bah, quand on voulait en route. Hein? Bah, voiture, bah, quoi, y'a en route. Vous commandez un cher et puis va détourner Yango. C'est ça leur travail, ils ont fait ça toute leur vie. Vous voulez qu'ils changent au sommet du Congo? On leur a donné le pouvoir pour ça. Maintenant, revenir au dossier des policiers. Deuxième question, pourquoi il y a autant de policiers, autant de militaires en train de faire des crimes dans la cité? J'ai vu un monsieur sur le tarmac de l'aéroport d'Indine. Il a travaillé pendant plus de 20 mois, sans être payé, 20 mois avant que nous sommes. La même chose avec nos policiers, avec nos militaires, j'ai pitié d'eux, j'ai pitié de notre armée. Nous avons besoin de cette armée-là, mais une armée modernisée, équipée. Nous avons l'argent pour ça. Le Congo a de l'argent pour ça, on n'a pas besoin d'aller manger dehors. J'ai vu Abéchole qui dit, oui, on va faire les élections, maintenant on va aller demander 3 millions à l'Union européenne. Mais vous êtes des malades. Vous avez de l'argent dans votre pays. Donc on dit, bah, de 500 millions, 1 milliard, 3 milliards, tout ça. Vous allez demander 3 millions pour faire les élections. Est-ce que l'élection est ça, il y a ou bien ça, il y a Mindel. Si vous voulez organiser les élections, donnez-vous-même les moyens. Mbok est en Mbok. Parce que la télévision, il n'a même pas honte. Il dit qu'on ira prendre l'argent de l'Union européenne, 3 millions, et puis les autres États vont nous donner de l'argent. Mais il le dit sans honte. Vous avez demandé cet argent en 2006. Résultat, Zani. Vous avez demandé cet argent en 2010, en 2011. Résultat, Zani. 2018.
Maintenant, vous venez en 2023. C'est ça qui n'est pas Mindel, tout ce que vous êtes. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Je dis ça à Béchon, je pense qu'il m'écoute là. Tolingi Koyo, qui a discours, il y a pas mal de discours, il y a des. Élection, il y a Bino, vous financez Yango, vous en avez. Ce qui vous bloquer un bon, vous en avez tous les jours, à tous les niveaux. Congo et Kozanambongo est belé. L'exemple de Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas mangé, mais il avait fait tourner le pays pendant 3 ans. Il n'a pas laissé une dette ou une mendicité quelque part. Bino, élection est à Bino. Mais comment vous allez à la télévision dire que Bamindele va couper ce Bino Mbongo? Mais les Anglais vous disent qu'il paye un musicien, décide du programme. Ce qui m'a fait sur Mbongo qui nous organise l'élection. Mais à vous contrôler, Yango, et ça y a yé. Vous n'avez pas de liberté. Nous avons besoin de notre liberté totale. Nous devons nous assumer dans tout ce que nous faisons en tant que gouvernement. Le gouvernement doit disposer de l'argent parce qu'ils ont pris 5 ans à voter le budget pour préparer les élections dans 5 ans qui venaient. Mais ils doivent avoir de l'argent. Et s'il y a des observateurs, même des ONG, le gouvernement doit disponibiliser le moyen pour donner aux ONG qui doivent former des observateurs et les déployer sur le terrain. Le Nigeria fait les élections ici chaque 4 ans. Ils ne viennent jamais demander l'argent à Londres. Et du nombre, le Congo, on a mis tout la bille dans la Kandengeni. Il y a un pola, l'armée, vous ne payez pas, mais vous leur donnez des armes. Vous ne payez pas quelqu'un, vous lui donnez des armes. Pourquoi est-ce que vous avez dit 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 que vous avez tracasserie, il y a police de route, la même chose. Il y a pas sauvage là-bas, policiers, là-bas, militaires, la même chose, parce qu'ils ne sont pas payés, mais ils ont les armes à main. Ceux qui ont pensé pas à tout le monde, vous avez fait à Bangote, 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 vous avez fait à Bangote. Moi, ce que je vous dis, nous devons changer le système. Pour changer le système, on a besoin d'une révolution. Le peuple se met debout et les militaires arrêtent Tshilombo immédiatement. Professeur, Tokomi na souka yo mission. Avec ses amis, l'écoutez tous. Sokimbela. On change le système. Sokimbela ya kopesa na ba congolais ezali okoloba na biso ni. Nous sommes arrivés, maman, à un point où les Congolais doivent se réveiller. Ils doivent se prendre en charge. Ils doivent savoir que destiné na bango ezana maboko na bango. Vie na bango ezana maboko na bango. Ezana maboko mondele te. Mondele nyonso za sur notre territoire. Oyo eza ko servir le Congo te. Azwa sac na ye akende pa azonge pa na bango. Eza la MONUSCO, eza la nani. Si notre sécurité n'est pas garantie, bakanga bisaka na bango bakende. La même chose, ba dirigeant politique oyo eza ko servir mboka na biso te. Il n'est pas le bienvenu pour les Congolais. Vous avez pensé l'avenir, la préoccupation de Yoté, vous avez fait la fête de Yo, il faut que tu ailles tout de suite. Parce que tu travailles contre notre intérêt. Si tu as collé là, vous avez bina, vous avez fait, vous avez fait, vous avez costume. Vous avez changé ma costume tous les jours dans des fêtes avec vos amis. Donc nous disons non à ce genre de dirigeants. Mais là, il y a des Congolais, Ali, la responsabilité est votre. Prenez-vous en charge, mettez-vous debout, parce qu'il raconte des mensonges. Le pays ne va pas bien, le pays va mal, le peuple souffre, la misère est totale. Il n'y a pas d'infrastructure dans le pays. La majorité de notre peuple vit en brousse, abandonné. Basana, basana brousse, abandonné. Batoussi, basana mitou nabiso, Baroubongo et ses amis. Terminons ce problème ici. Faisons comme le Mali, faisons comme le Burkina Faso, faisons comme le Niger. Et Bongo là, Bongo hier, il criait là-bas, oh, make noise, make noise, make noise. Il faut crier, il faut crier, il faut que des autres crient pour lui. 54 ans de pouvoir. Là, t'attends à y est. 55 ans, oui. Il y a une fin pour tout, pour chaque chose, il y a une fin. On n'a pas besoin des élections. Il faut l'arrêter maintenant. Que Dieu vous bénisse. Professeur Julien Tshakoudia, c'est un problème aussi dans l'autorité, le président africain, pour Nakotika Bokondi, il a vraiment
pétété pour na bango to ko mona yango so talisa sous lelo et a commis na combien d'années oyo lelo azalika katata mukambia ekolo lelo opote ali bongo alongwa nesika wane singela kite ko sala bongo ko sala boye o ko mona tete ezali plus makambo wana et sale makakaka epa ya ba africain pona yo ko mona te maponomi ezali nzela moko ya malamu pote ko changer mboka na biso. Vous avez fait ma ponami en 2006, 2011, 2018. Vous avez trouvé quelle solution? Nous avons besoin des patriotes. On n'a pas besoin des élections, maman. On a besoin des patriotes dignes qui peuvent élever nos pays et qui peuvent nous sécuriser. Pour le moment, il y a un vent de changement en Afrique. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Ça va atteindre et Brazzaville et Kinshasa. Et ça va aller jusqu'au Rwanda là-bas et jusqu'en Ouganda. Mais d'abord, Brazzaville et Kinshasa. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, lui, il a déjà gagné les élections. Je me souviens, Joseph Kabila, 6 mois, 8 mois avant les élections de 2011, il me disait, je causais avec lui le noir, le soir, il m'écrivait, on s'écrivait, il me dit, viens, retourne au pays. Moi, j'ai déjà gagné les élections contre Étienne Tshisekedi. J'ai dit, Joseph, tu peux gagner les élections 8 mois avant. Il dit, mes amis m'ont déjà dit que je vais toujours rester président. J'ai déjà gagné l'élection. Ça, c'est ce que tu l'envoies aujourd'hui. Joseph Kabila m'écoute. Hein. Il connaît la réponse qu'il m'avait donnée. J'ai dit, viens ici, on fait deuxième mandat à deux. J'ai déjà gagné l'élection. 8 mois avant les élections de 2011. J'ai dit, toi, tu vas gagner contre Étienne Tshisekedi. Il dit, oui, j'ai déjà gagné parce que mes amis m'ont dit que je dois toujours être là. Cette affaire de mes amis m'ont dit là, nous devons mettre fin à ça. Parce que lui, il a déjà gagné l'élection qu'il veut préparer. Il a déjà gagné ça. Il faut le prendre maintenant. Nous ne pouvons pas nous amener aux élections comme des moutons de panurge. Pourquoi quand tu as dit ce mouton, continuons à se programmer. Oui, tu as gagné l'élection, j'ai gagné. Merci, professeur. Merci beaucoup, maman. Voilà. Wana tu yambaki po na bino professeur Julien Tshakudia. Ye tozwa ki ye depuis Londres. Nde tu yambie. En duplex, pote to sombiti nya makanisi na mambi, mai matali ekolo. Merci na équipe rédactionnelle Yariako, Mikandeke Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokole. Et un grand merci à Cécile Osango, la femme la plus fidèle, moté ma chef Serge Katembo. Merci na Maman Emeline Zemba, il y a tous Pepele Ambetolo, il y a Mimi Laifeta Mokondi, import-export, elle quand même toujours au service de la nation. Natondi Obotondi Kulutu, merci Naba Congolais, Nyon Sobaibo Kolandabiso, Maman Sido, Maman Naomi depuis Anvers, Maman Annie, Balobi Mikolo, Nakominia Bandalung, Ana Wenza Mola, Toroli Akitoko, Naritime Chemer Annie, Alimentation Moko Akitoko, Bakote Kabilo, Kona Vivre Frais, Natalo Yamoke, ensemble, Na Papa de Gaulle, Aigle Royal, Yakominia Bandalung, Nzambi, Akoba, Kupambo Labino, Lolengi Openaboko Leisa, Bana Kaka ya Bandalungwa te Bumbu Selemba ou Kasavu Bupe, Toyakawa Nanzambe, Apambo Labino Banson. Merci na Dr. Bertin Itoko, Mirai Osango depuis Dallas, ba Congolais Nyonso, Baiboko Landamamo Tatiana, Biso Nyonso Tozalibe, Nanzela ya changement, Dido Iso depuis Dijon, Bambote et Bele, et Siko Kolanda Biso Jina Mateta Matumo na Papa Social. Totondi Obotondi, bon retour à Kinshasa, à mon Koulutu Filemon Timbo, Naba Congolais Nyonso, Baye Bukulanda Biso. Balobaka l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Un grand merci, on se retrouve, Mokolo Lobby. Au revoir. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel.